On est vraiment des yétis. C'était pourtant une journée bonnard qui commençait. Neige, bon. Pote, jouer, nana. Vous avez bien les pelles, Arva, Sonde. Ouais. T'es bon. Ah, attendez. Petite photo avec tout le matos là, tout le monde. Francky. Kiss. Francky, t'es pas en train de chercher ma gonzesse là, hein? Oh, tout le monde était remonté comme une pendule électrique. On était parti pour bien s'éclater. J'avais une pêche d'enfer. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Les virages s'enchaînaient. Oh, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis... Bien réfléchi. Je crois qu'il avait raison, l'autre du magasin, là. On a peut-être dû l'écouter, monsieur propre, au lieu de se foutre de lui, là. Bon, donc tu vois, t'as le bouton marche, le bouton arrêt, tu passes en mode émission, en mode recherche. Mais tu sais, c'est bien beau d'avoir le matos. Mais tu sais t'en servir de ton DVA, à la base. Tu sais, l'essentiel déjà, c'est de pas te faire prendre. Mais si tu te fais manger par l'avalanche, t'as déjà une chance sur deux de pas t'en sortir. Hein. Richard, c'est sûr qu'il sait s'en servir de son DV1. Détecteur de mono-victime, de multi-victime, de je sais pas quoi, là. Et toi, ma belle? Bien. Ouais, moi, je suis au top. Oh. Là, je me suis entraîné tout l'hiver à sortir des DVA. Je vous en sors 3 en moins de 10 minutes. Bon, bah, c'est cool. Ha ouais, DVA. Des DVA. C'est quoi? Détecteur de victime en avalanche. Bon, bah, moi, j'ai skié. Ciao, à plus tard. En avalanche. Allez. Tranquille. Soyez prudents, hein. Tu parles qui s'est entraîné. Déjà 10 minutes que je me gèle. Il se grouille ce bouffon là. Il se serait pas fait aussi prendre dans l'avalanche, Riton. Mais quel nul. Mais quel nul. Mais quel méga nul. Quel ultra nul. Il est nul, Riton. Ils sont tous sous l'avalanche, car ils ont skié trop groupés. Aussi, sur qui ou sur quoi peuvent-ils compter pour les sortir de là? Réponse A. Le Yeti des neiges. Réponse B, personne. Réponse C, la fonte des neiges. Réponse D, le hasard. Allô, les secours! Il y a 4 gosses qui se sont fait prendre dans une coulée. Vous voulez savoir où c'est? Rappelez-moi. Moi, je ne veux pas vider mon forfait pour 4 yétis qui ne savent pas skier. Ils ont 20 minutes de survie en moyenne. Eh bien, moi, j'ai qu'un forfait de 30 minutes. Parce que l'essentiel de ça à la base, c'est pas de prendre l'avalanche, c'est déjà de te faire prendre dedans, parce que sinon t'es mort. Cette avalanche est un gros tas de neige. De Dieu. C'est juste un gros tas de neige. Et l'important, c'est le souffle.